à tous. Bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, au Salon de l'éveil 2018 à Laval, je retrouve Sœur Angèle. C'était tellement un rêve pour moi de vous rencontrer. Alors, merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Écoute, c'est tout un éveil pour moi parce que je me dis, je ne savais pas que ça existait, un salon comme ça. Puis je trouve que c'est un salon de cœur, un salon d'amour, un salon de partage. Il y a beaucoup de fraternité ici et ça mérite à être découvert et beaucoup de créativité. Et puis moi, je m'avais dit de parler de mon livre, que c'est le livre « Le bonheur » selon Sœur Angèle. Et j'ai trouvé ça l'intérêt d'un sens que je fais une conférence parlant du bonheur. Des temps qui courent, on a besoin du bonheur. Les gens sont tout à la recherche de se retrouver, de trouver la paix intérieure, de trouver un sens à leur vie. Et moi, personnellement, je me dis, Angèle, regarde... Regarde tout le monde, on sent qu'ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'avoir le sens de l'humour, c'est ça qui manque. Alors je me dis, ça, quand j'ai fait le livre « Le bonheur » selon Sœur Angèle, moi je me dis, c'est un livre dans lequel il y a 100 questions que le public me pose tout le temps. Pourquoi, Sœur Angèle, pour vous, la foi, c'est quoi? Pourquoi vous êtes toujours de bonne humeur? Mais j'ai dit, une âme qui a souffert pour que les autres ne savaient pas qu'il souffrait, comme la guerre, comme les gens qui... ils ne savent pas comment qu'un être humain est sensible. Alors, il faut développer le sens de l'humour. Oui! Le sens de l'humour amène partout. Que tu sois dans une communauté, que tu sois dans la télé, que tu sois partout, les gens ont besoin de rire et d'avoir le sens de l'humour. Ce que ça me dit, c'est, autrement dit, peut-être prendre plus à la légère certaines lourdeurs de la vie qui fait qu'on peut en rire au lieu de tout de suite tomber dans le drame, dans ce sens-là un peu. Et s'étouffer. Il ne faut pas s'étouffer. Parce que la vie, évidemment, aujourd'hui, il faut aller tellement vite que tu ne réalises même pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas où tu es. Ça devient vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui a amené de ça à ce manque d'amour? Et je me dis, la fidélité, c'est l'affaire d'un temps. Ce n'est plus durable non plus. Tu promets quelque chose, mais dans le fond, toi-même, c'est pour un temps. Là, vous parlez de la fidélité au niveau du couple? Bien oui, aussi. Mais même au vieux des engagements, même dans ça, je regarde même aujourd'hui, la vie religieuse, c'est une autre histoire, là. Il n'y a plus de religieuse, il n'y a plus rien. En 10 ans, il y a eu une bousculade de personnes qui s'en foutent de tout et ils s'en foutent de rien. Puis ils ne savent pas où ils sont, ils s'attachent où ils veulent, on ne sait pas où. Ils ont besoin de se retrouver, mais ils ne savent pas où frapper. Mais personne n'écoute. On a besoin d'écouter. Écouter quoi? Écouter qu'est-ce que les gens souffrent. La souffrance mondiale, elle est grande. On a tout. On a des téléphones intelligents, on a de la communication, on a des tablettes, on a tout. Mais on a perdu l'essentiel. L'amour humain. C'est la base. C'est s'aimer soi aussi en premier. C'est ça, c'est l'amour humain. C'est que, je ne sais pas, je parle avec les gens. Ils sont dans le vide, mais ils ont soif. Ils cherchent. Mais il y a beaucoup, on peut le voir, il y a beaucoup de monde ici au Salon de l'éveil. Ils se cherchent. Tout le monde, puis tout le monde vient me voir. C'est comme si... il y a encore, une présence religieuse, ça n'existe presque plus. Je ne sais pas s'il y en a eu ici, là. Oui, mais c'est une foi différente. Comme moi, je crois vraiment au divin. Je crois à la présence de Marie, parce que je suis allée à Fatima et j'ai senti la présence de Marie, mais je ne vais pas à l'église. Mais... Même si je suis née catholique, je la sens, cette présence-là. C'est ça. Sentir la présence de quelqu'un qui nous donne la vitalité, qui nous donne le regain. C'est ça. Marie, c'est vraiment la femme idéale. Puis regarde, apparue à des enfants qui sont
dans l'innocence. L'innocence. Tandis que là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je regarde même dans notre communauté, ça fait 30 ans quasiment qu'on n'a pas eu des recrues, des jeunes. Non, c'est ça. Ça attire plus maintenant. Non! Alors, je ne sais pas comment, oh, qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai dit toujours, il y a un up et un down. Oui. Pour retrouver l'équilibre. Elle monte, elle descend, puis elle revient à la surface. Et à un moment donné, tu vas voir, on va repartir plus fort, d'une façon différente, mais l'amour ne meurra pas. Et c'est ce que vous dites dans votre livre un Exactement. Peu. Exactement. C'est le livre, il y a 100 questions. C'est le fun. J'ai même... Donnez-moi un exemple d'une question. Question? Écoute, je vais te dire, je vais t'en donner beaucoup, là. Ici, la vie, c'est comme une tablette de peinture. J'ouvre ça et c'est ça. Alors, que vous voyez? Alors, ici, tu vois, il y a la tolérance, la culture, l'harmonie, l'amour, la politesse, la famille, le plaisir, la sincérité. C'est très important, la sincérité. Puis le pouvoir, la gentillesse, l'instruction, et puis l'ambition, et puis ainsi soit-il. Et là, je donne toutes les explications de chaque thème. Par contre, j'ai dit à un autre que c'est ici, les 100 questions, mais à un moment donné, tu vas et tu dis, bon, dans la vie, il faut chaque soir, j'ai fait le ménage de la journée et je laisse de la place pour les surprises du lendemain. Oh, j'aime ça. Oui, puis là, tu prends le balai, tu balayes tout ce qui s'est passé dans la journée pour prendre des réserves, pour repartir à neuf. Oui, mais avec le sentiment que demain, il va m'apporter de belles choses. Absolument, toujours être positif et développer le sens de l'humour. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai eu un cancer, tout le monde disait, avant de mourir, ben voyons donc. Alors, on reprend vie. Mais c'est, alors là, je me suis fait un thème pour repartir. Et là, il voulait dire, ah ben, il faut faire la chimio, là. J'ai dit, je vais me faire à manger. Et, merci mon Dieu, je n'ai pas eu besoin de suivre ça, pas de chimio, rien. Et je m'en suis sortie. Vous avez changé l'alimentation, oui. C'est ça? Wow. Oui. J'ai pris des choses légères, pas très, peu à la fois, habituer mon système. Oui. Oui. Et un coup que j'ai tout fait ça, à un moment donné, j'ai dit un beau matin, Angèle, prends pas ça à cœur, prends ça à l'heure. Oh, c'est beau. Un jour à la fois, d'où Jésus. Ma grand-mère, je faisais toujours chanter cette musique-là. Là. Un jour à la fois, d'où Jésus. C'est tout ce que je demande. La joie de vivre, d'aimer, d'être aimé. Un jour à la fois. C'est beau. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et que tout le monde, la joie vous habite dans le fond de votre cœur. Et si vous avez des difficultés, ben, je vous le conseille. Ce magnifique livre rempli d'amour et de bonheur. Alors, merci. Merci à vous. À la prochaine. Oui.